Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un coin bien connu de là où j'habite pour parler bouquetin. Je sais pas si vous le voyez, l'autre là-bas derrière sur la crête. Voilà, puis j'en ai un autre qui tourne par ici. Donc voilà, c'est un endroit très connu ici où on voit vraiment les bouquetins très facilement. En marchant très peu, et il y a un faucon qui fait du stationnaire. Je vous reprends. Ouais, donc excusez-moi, j'ai vu un rapace faire du stationnaire, et à première vue j'ai cru que c'était un faucon, mais ça m'avait l'air bien gros. Je sais pas trop ce que c'est, je verrai. J'ai pris une photo, je verrai au développement, mais je suis pas sûr que ce soit un faucon, peut-être un cirquette. Et regardez-moi ce beau bouquetin mâle que j'ai là. Ah non, s'il passe derrière les arbres. Donc voilà, je vous disais, coin vraiment très connu ici pour voir les bouquetins très facilement en marchant très peu. Et voilà, c'est juste au-dessus de la vallée, hein, c'est pas en altitude. Donc voilà, c'est super chouette. Et agréable de venir se balader ici et voir les bouquetins très facilement. Donc voilà, vous voyez, ici quand on reste à une distance respectable, on peut vraiment les approcher de très près. Ah, il faut pas s'approcher trop près non plus, hein, éviter le dérangement, mais ah, ils sont pas craintifs, ils sont très habitués à l'homme. Voilà, donc là je me suis mis au smartphone. Donc, on voit un petit peu mieux la proximité que je peux avoir avec le bouquetin, qui n'est pas du tout inquiet de ma présence. Vous pouvez rester là, l'observer pendant une heure sans le déranger. C'est vraiment formidable. Vraiment un animal très placide, très très calme. À partir du moment où on garde la distance, une distance respectable avec lui, il n'y a aucun problème pour l'observer sans le déranger. Vous voyez là, je suis en train de parler, il se nourrit derrière, il se préoccupe même pas de ma présence. Donc c'est vraiment super. Voilà, je suis pas très doué pour filmer comme ça avec le téléphone. M'avoir moi dans le cadre avec lui, c'est vraiment un super coin pour l'observation, très facile d'accès pour amener ses enfants ou les gens, les gens qui n'ont pas l'habitude, les amener observer les bouquetins ici, il n'y a aucun problème, là ils sont super heureux. Je crois qu'il s'inquiète un peu de ma présence quand même. Ça va, ça peut l'air trop le perturber non plus. J'adore rester avec les bouquetins comme ça. On sent vraiment, vraiment proche de la nature. Je sais pas, c'est des moments paisibles. C'est super, j'adore. Thank you.
fin de cette petite balade matinale avec les bouquetins. Donc là c'est l'heure d'aller casser la croûte. Puis il y a un gros vent là qui s'est levé, j'espère que ça fera pas trop de bruit dans le micro. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine, ciao.